Salut les filles, j'espère que vous allez bien. À tous ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Parisienne Injection. Voilà, la vidéo aujourd'hui va concerner les aiguilles. Étant donné qu'on s'est retrouvé en panne, en rupture de stock sur mes sites partenaires avec les Invisible Needle, vous avez été nombreuses à me demander quel type d'aiguille on pouvait prendre s'il n'y avait plus d'Invisible Needle. Donc, pour les catégories 1, on va bien parler pour l'instant catégorie 1. À part les Invisible Needle, vous avez ensuite les aiguilles 33G et 32G, comme les Mésorames. C'est la petite verte qui est comme ça, qui fait 4 mm de long, qui est toute petite, ultra fine, hein, aussi fine que la Invisible, mais plus courte. Et vous avez donc aussi les 32G Mésorames, les roses, qui sont un peu plus longues, légèrement plus grosses que les Invisible Needle, et qui se trouvent, voilà, qui ont cette taille-là, donc comme les Invisible Needle, légèrement plus grosses. Ok, donc catégorie 1 pour les produits donc fluides qu'on injecte uniquement avec le dermaroller ou avec ces petites aiguilles dans l'épiderme, donc en surface, c'est donc Invisible Needle, aiguille 32G et 33G. Ok, quand on passe à la catégorie numéro 2, c'est-à-dire avec les produits beaucoup plus épais qu'on injecte pour le volume, à ce moment-là, il faut passer aux aiguilles 27G. Celles-ci sont en général fournies avec la seringue qui est déjà pré-remplie. Néanmoins, si vous faites tomber la seringue, si jamais vous cassez l'aiguille pour une raison X ou Y, c'est bien d'en avoir de côté. Donc pour les catégories 2, produits plus épais, aiguille 27G. Voilà, en ce qui concerne les seringues, vous avez deux types de seringues. Celles qui ont l'embout qui se visse, celle-ci c'est le cas, et celles qui ont l'embout qui ne se visse pas, comme celle-ci. Leur utilité est la même, évidemment. Donc, on utilise la seringue avec donc l'aiguille 18G, vous savez, pour aspirer le produit, ça vous le savez déjà. Et donc, la différence entre les deux seringues, donc il y a celle où l'embout se visse, ok, et celle où l'embout ne se visse pas. Je préfère celle où l'embout se visse simplement parce que ça évite de perdre du produit. Voilà, quand on pique le corps, des fois la peau est un petit peu plus épaisse. Si on utilise cette seringue-là, elle peut rester éventuellement coincée dans la peau. Elle peut, voilà, s'enlever de la seringue, même si c'est relativement rare, hein, mais ça peut arriver. Donc celle qui se visse, moi perso, je préfère. Voilà, maintenant ça reste des seringues qui permettent, voilà, de mettre n'importe quelle aiguille au bout, hein. C'est le même format pour toutes. Donc vous pouvez prendre celle que vous voulez. Voilà, ça c'était une précision qu'il fallait apporter voilà, au niveau des accessoires pour vos auto-injections. Retrouvez toutes les informations sur mon blog laparisienne du 8e.com. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, ciao ciao!